Hey, moi aussi, j'en ai des crotons. Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que je suis pas dans un bel endroit pour vous parler. C'était pour vous montrer qu'on est chez Boop au lac Beauport. Puis, je viens de découvrir que c'est un restaurant familial, mais ils ont une salle d'allaitement. Ils ont la vidéo, le clip d'avant. Je vais vous faire le petit room tour, le petit tour. On a le truc pour changer le bébé, du papier, une petite table. On a une chaise pour allaiter. Et ben, on n'a pas de chauffe-biberon, on le fait chauffer en haut avant de descendre. On a notre propre évier. Laver, essuyer, c'est vraiment génial. Puis aussi, je vous ai montré un peu ce que je me suis commandé pour déjeuner. Papa est avec Amelia, assis sur ses genoux. C'est vraiment cute. J'avais vraiment envie de venir déjeuner ici à matin. Après ça, on va aller chez Brunet. Après ça, on devrait retourner à la maison. On va prendre la sieste à la petite. Puis, allez, on passe ça. Puis hier, on a essayé de quoi nouveau. Qu'on n'a jamais fait d'avant. On l'a couché dans sa couchette. Elle s'est endormie hier soir par 7h30 dans sa couchette pour le coup la réveiller et la transférer dans le Moïse. Fait qu'elle a fait sa première nuit dans la couchette. Ben non, le snuggle dans la couchette. Fait qu'elle a fait toute sa nuit. Elle s'est. Et seulement à 5h ce matin. Fait que c'est vraiment un bel exploit. Je suis très fière d'elle. Fait que peut-être que ce soir on va essayer encore la même affaire, la coucher dans la couchette. Ou dans le Moïse, moi j'y vais vraiment un jour à la fois. Sinon, ça s'est super bien passé avec la TS hier soir. Je vous ai pas filmé le restant de la soirée, j'avais pas grand chose d'autre à vous raconter. Puis, je suis allée coucher vers 10h30 à peu près. Mais que moi je vous laisse parce que là, c'est pas la meilleure endroit pour vous parler dans la salle de bain. C'est en écho, il y a du bruit autour. Et on va sûrement se reparler à la maison. Coucou à tous! J'espère que vous allez bien. Il est présentement 1h et on est de retour à la maison. On est allé prendre une petite marche en poussette au bois de Coulombe. C'est un parc qui est situé sur la Grande Allée. Là, j'ai une petite pétonne ici. Je viens de donner un bois. On est revenu à la maison ici. Je me suis changée. Puis là, je suis en train d'écouter les chroniques de Bridgerton. Je suis rendue à l'épisode 4. Et je me souhaite un bol de salade parce que j'ai encore faim. Et j'ai trouvé quelque chose chez Jean Coutu parce que là, on était à la recherche de lait et de couches. Fait que j'ai fait le Brunet ici, comme je vous ai dit hier, j'en ai pas trouvé. J'ai fait le Brunet au lac Beauport, puis j'ai trouvé une petite boîte de 96 couches à 22,99$. J'avais un coupon rabais de 3$, fait que j'ai pu l'utiliser. Et t'as allé au Jean Coutu Sébastien pour du tillet qui était à 41,99$, mais il en restait pas. Ou je pense que dans le grand format, ils en ont pas. Fait que là, je suis bas, mais j'ai trouvé autre chose. Et je sais pas si Bouffe Louche en ont déjà parlé sur leur compte Instagram. Mais j'ai trouvé de quoi chez Jean Coutu. Et c'est délicieusement bon. C'est du popcorn à saveur. C'est des cookies pop à saveur de Oreo. Ça, c'est vraiment bon, je vous garantis que c'est tellement bon là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Sauf que je peux vous dire que c'est 5,99 pour un 149 grammes. Mais je sais pas s'il y en a chez Costco là. Il y avait aussi des Twix, des M&M puis des Oreo. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Puis. Ça ressemble. Mais. Oh my god, que c'est bon. Je pense que je vais déboire le sac en une shot. Parce que. Il n'y en a quand même pas beaucoup à l'intérieur. Mais c'est quand même cher. Mais je ne sais pas si je serais capable d'en trouver chez Walmart ou ailleurs.
Mais vous devez l'essayer si vous êtes une bébête à sucre. Si vous aimez le popcorn, ça goûte pas salé, là. Tant mieux si j'avais toutes mes dents pour le manger. Et moi, je retourne à mon épisode. Puis, il me reste 2 clips de montage à faire. Puis, je vais sûrement vous mettre un nouveau vlog en ligne. Ça va être un vlog combiné de 2 jours. C'est un matin, un 30 ml. La mom est contente. Avec le tire-lait réinventé de ma part. Mon soutien-gorge que j'ai... Justement, mon soutien-gorge à trous, là. Fait que c'est ça. Fait que nous, on va se reparler sûrement plus tard. Aujourd'hui, il fait super beau dehors. Il fait 16 dans le solarium. On va peut-être aller s'asseoir dans le solarium comme on a fait tantôt. Tout dépendant si la température continue à grimper ou pas. Mon chum est parti essayer son nouveau vélo électrique. Puis on est quand on est allé au parc aujourd'hui, on est allé marcher avec la nouvelle poussette, ben la poussette qu'on s'est achetée à nous, la 3 roues. Ça va bien, mais quand c'est de la neige molle puis de la neige granuleuse, ça marche mal monter des côtes avec ça. Ben je peux vous dire, j'ai fait mon exercice de bras aujourd'hui. Fait que nous on va se reparler plus tard. J'espère que vous allez bien. Il est présentement 8h40 et on est dimanche. Je suis levée depuis 6h du matin. La petite madame aussi depuis 6h du matin. Et devinez-vous quoi? Elle a fait sa 2e nuit dans sa couchette. Et oui, elle fait toute sa nuit. On l'a couché à 7h45 hier, après son... pas longtemps après son bain. Non, c'est vrai, son bain, c'est ce soir. En tout cas, la madame était fatiguée pas mal hier. Elle a bu quasiment 3-4 biberons en ligne. Puis avec mon sein aussi. Fait que la petite madame était quand même pas mal fatiguée. Fait que on l'a couchée. Elle a fait toute sa nuit au complet dans la couchette jusqu'à 6h ce matin. Elle s'est levée 1 heure plus tard. Fait que ce soir, on va faire encore la même routine. Fait que je pense que maintenant, c'est fini les siestes dans le moyen. Ça va être dans la couchette. En tout cas, on y va un jour à la fois pour voir si tout se passe bien. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Fait que je suis vraiment hyper contente. Parce que nous, ça nous permet de mieux dormir aussi sans avoir de bébé tout proche de nous. Mais on laisse la caméra ouverte. Fait que ce matin, je nous prépare un petit déjeuner traditionnel comme au restaurant, mais à la maison. Ce qui ne coûtera pas trop cher. Fait que pour l'instant, je vais faire cuire des petites patates. Il me reste quelques patates ici que je vais utiliser. Je pense qu'on va utiliser des frites, du pain doré, des œufs. Et la petite madame, elle a bu un biberon, quasiment complet, plus mon allaitement. Puis il fait super beau dehors, il commence déjà à faire un. Puis imaginez-vous donc que hier, dans le solarium, ça a monté à 40 degrés. Après d'écouter le dernier épisode de les Budgeton. Ça vient, Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h45 et je m'apprête à faire un peu de ménage. Ma fille adore, c'est que ça fait du bien qu'elle adore. Elle a fait, comme je vous dis, elle a fait une très belle nuit. Je pense que j'avais commencé mon vlog un matin. Il n'y a pas de nouveau vlog pour l'instant. Je suis toujours en train de me tirer du lait. J'essaie de me tirer à toutes les 2-3 heures. Je me suis tirée, je pense qu'il était 6-7 heures.
J'étais plus que due pour tirer. Puis, ça fait pas des grosses quantités à chaque fois parce que je l'allaite aussi. J'ai fini la saison de Bridgerton au complet. Puis, je pense que je vais garder ce pot-là. Je vais laver. Puis, je vais mettre ma farine dedans. Ça va être plus facile à prendre après. Je vais vider mon stérilisateur. Je vais laver d'autres biberons. Moi, j'en ai déjà de prêts qui sont là. J'ai des pommes que j'avais coupées hier ou avant-hier. Je voudrais faire de la croussade aux pommes en mini, plus de la croussade aux pommes pour nous autres. Parce que j'ai acheté de la crème glacée et je n'ai pas mangé de crème glacée encore. Je sais que ça va être super bon là-dessus. Fait que je pense que je vais faire de la croussade aux pommes et framboises pour faire ton argent. J'espère que vous allez bien. Il est présentement 2h05 et je m'en vais chez Monsieur Coco. Oui! Je m'en vais acheter des petites choses. J'ai trop. Je m'en vais chez Monsieur Coco. J'ai ma carte dans mon portefeuille parce que là, maintenant, il faut que j'aille encore à l'ancienne version. Je ne peux pas scanner mon sel, mais j'ai voulu changer mon sel un peu pour justement. C'est ça. Pour. Là, je suis en train de le faire charger. En même temps, il faut que j'aille m'acheter des passes de bus pour mettre dans mes fameuses cartes. Au plus. Je sais pas si ça va marcher vu que c'est une carte étudiante que j'avais. On va checker ça parce que demain j'ai le rendez-vous pour ces vaccins de 4 mois. Puis mon chum, faut qu'il garde la voiture parce que ça se peut qu'il fasse de l'over. S'il fait de l'over, il finit à minuit demain. Fait que s'il finit à minuit, ben je peux pas aller chercher à minuit avec Amélia vu qu'elle va sûrement dormir. Alors que mon chum va terminer. Il sait pas s'il fait de l'over demain, mardi ou mercredi. Il va le savoir genre la journée même. Fait que s'il va falloir qu'il garde. C'est pour ça qu'il va garder la voiture avec lui. Fait que c'est ça. Fait que nous on va y aller en autobus. De toute façon, le CLSC le plus proche qu'on va, c'est la Source Nord. C'est vraiment pas très loin en autobus, mais à pied c'est un peu loin. Mais je vais demander à mon chum aussi que ce soir, il sorte la poussette pour que je puisse embarquer la poussette avec moi parce que je traînerai pas juste la coquille, ça va être un petit peu trop gros à traîner. Fait que... Puis là, je commence un peu plus à avoir chaud avec mon gros manteau d'hiver que faudrait que je change pour mon manteau de printemps, mais j'en ai comme pas vraiment. Mais là, je l'achèterai pas tantôt chez Costco, mais je vais aller voir s'il y en a. Puis quel prix que c'est pour peut-être qu'à ma prochaine paye, je vais aller m'acheter un petit manteau de printemps s'il y en a genre à 30$. Ou aller chez TIC Géant ou Walmart. Fait que j'irai pas au Walmart non plus. Mais je vais peut-être aller au village du Valeur si j'ai le temps. Parce que je voudrais aller voir pour un petit manteau de printemps pour ma fille. Comme que j'étais supposée d'aller la dernière fois, mais que j'ai pas eu le temps parce que j'avais allé chez Clément puis aller ailleurs. Chez Maxi, bon, c'est vrai. J'ai allé chez Maxi puis chez Clément la dernière fois que j'ai descendu dans ce coin-là. Mais là, peut-être faire un petit tour au village des Valeurs. Si je verrais un beau petit manteau de printemps, style. Je sais pas si. Je mets un 6 mois ou un 3 mois parce que pour le temps que ça va faire, puis je veux pas payer full cher dans les magasins. Puis on va se le dire, quand je suis en de l'année, le saut de Dubaï il est comme rendu trop chaud pour elle. Fait que je pense que je vais aller tout de suite au village des Valeurs. Je voulais aller à la ressourcerie, mais la ressourcerie est fermée le dimanche. C'est le fun parce que maintenant il fait beau. Ben, aujourd'hui, il fait quand même beau gros soleil. Mais il fait soleil. Il faisait genre 23 dans mon solarium. Puis j'ai donné le biberon à ma fille dans le solarium. Puis on a pris quelques shoots. Fait que c'est ça. J'arrête pas de dire que c'est ça encore. Hein. On dirait que je suis c'était pour faire des sécures. C'est ça ou c'est que ou fait que. Aussi, je suis désolée si je mets pas encore des vlogs acidulés à tous les jours, parce que le seul temps que j'ai le temps de faire du montage, c'est quand ma fille adore ou qu'elle fait ses siestes.
Puis qu'on va se dire qu'aujourd'hui, elle fait une sieste à matin, mais pas une sieste d'une heure, là. Ça a comme été coupé. Fait que... je dirais pas encore c'est ça. Faudrait que je change de patois, là. Que ça soit plus facile... pour que je sois plus facile à changer. Sinon, je vais me tortiller la langue dans la bouche. Ça va m'aider. Alors... hein? C'est difficile, là, de changer quand t'es habitué à dire tout le temps la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça. On dirait que je suis née pour dire c'est ça. Fait que je m'en vais chez fait que. C'est ça et fait que. Je pense que je vais le laisser dans le montage. Fait que le seul temps que j'ai le temps de. Le seul temps que j'ai le temps. Oh boy. La mom est capote. Capote. Le seul temps que j'ai de faire le montage, c'est le soir, quand elle dort, parce que c'est rendu qu'on la couche à 7h30, comme hier à 7h45, elle était couchée. Si vous avez d'autres choses que je peux dire que fait que c'est ça, écrivez-moi là dans les commentaires. Demain, son rendez-vous, je pense qu'il est à 11h et quelques. Je me souviens pas, il est à quelle heure, c'est mon chum qui avait pris le rendez-vous. Faudrait que je continue à m'écrire mes rendez-vous sur mon calendrier. Dans le bureau. Parce que là, le calendrier il est vide, mais il est super beau, fait que je veux l'utiliser et écrire les rendez-vous. Si je vois des. Oh, puis au Costco, je vais aller voir les petits pyjamas. Peut-être en acheter un. Ils sont ça des 99, mais ils vaut quand même la peine, ils sont pas chers. Je vais pas trop dépenser parce que oui, j'ai eu mes allocs. Il me reste 214 parce que là-dessus, j'ai acheté des petits laits, mais j'ai commandé sur Amazon. Parce que hier, on est allé marcher au parc de Bois de Plombes sur Laurier Grande Allée, comme je vous ai dit hier pendant le live, pendant le vlog. Que après ça, on est allé à la recherche de tilets et de couches. Les couches, je les ai trouvées. Mais le tilet, il n'y en avait pas aux gens coutus que j'étais allée. Là, ça me tente pas de parcourir la ville entière à la recherche de lait. Parce que j'ai pas le temps de faire le tour de la ville non plus. C'est des petites pharmacies qu'on a dans le coin, ça paraît, parce que ils ont pas les mêmes prix partout pareil. Fait que c'est mon chum qui les a commandés sur Amazon, puis moi j'ai remboursé. Parce que sont 39 sur Amazon, fait que c'est vraiment pas cher. Il fait 5 degrés présentement dehors. Je me suis mis mes souliers. Mes souliers de randonnée, c'est comme des bottes souliers. Là. J'ai pas mis des petites claques pour commencer. Là. Je mettrais pas mes espadrilles tout de suite, parce qu'on va se dire. Fait quand même, il fait pas super chaud ni super froid, on est juste bien. Il fait 5 degrés. Fait que je vais vous montrer ce que je vais trouver au village des valeurs. Pour des petits manteaux. Je vais aller voir pour un petit manteau ou un dessous. Genre, si je peux trouver des petits culottons. Parce que la plupart des magasins, les clotons commencent à 6 mois. C'est 9 mois, je pense. Fait que moi, je vais vous laisser là-dessus, puis je vais vous reparler plus tard. Je suis de retour, et malheureusement, je n'ai pas trouvé de petits culottons, ni de manteau pour ma fille. J'ai tombé sur le charme de deux morceaux de linge, mais j'ai trouvé un peu petit, puis j'ai dit, oh, je vais laisser faire, t'as un assez de vêtements. Fait que là, c'est direct en Costco. J'ai même été voir pour une veste. Pour moi, ou un manteau de printemps pour moi, sans payer le prix de fou. Sinon, après ça, je regardais les livres. Ça fait déjà une heure que je partais, puis je vais pas dire j'ai quoi encore. Mais là, j'y vais, là. Là, ça suffit. Le niaisage, ça fait juste 277, hein? Puis, ce que je vais acheter aussi, je vais acheter un petit poulet cuit. Parce que c'est sûrement ça qu'on va manger pour souper. Soit avec la sauce. Soit avec la sauce, soit en sandwich, soit des clubs, soit... je sais pas, là, je vais voir ce qui va être en spécial. Mais je veux dire, avec qu'est-ce qu'on pourrait manger ça, des légumes. Je vais aller voir si c'est des avocats, parce que j'ai comme une rage d'avocats. Faut plus que je niaise, là, parce que j'ai quasiment resté une heure au village des valeurs. Ça fait qu'à un moment donné, chose au village des valeurs. Mais rien qui m'attirait tant que ça.
J'ai même été voir les jeux, s'il y avait des jeux à la Wii intéressants. Ça fait longtemps que j'ai même pas joué à la Wii ni joué au Xbox. Mais là, c'est vraiment en direction Monsieur Coco. Puis, je vais aller voir les petits pyjamas. C'est Monsieur Coco. Ils sont tellement beaux, fait que je vais sûrement m'en acheter un. Sauf que là, je dis si je prends un 3 mois ou un 6 mois. Il est bientôt 4 heures. Fait que j'apporte mes sacs, puis je vous montre ce que je vais trouver. Je suis présentement de retour à la maison. Il est 6h13, je suis revenue de chez Costco. Ça m'a coûté 170$ et j'ai dû me retenir d'acheter certaines choses parce que premièrement, j'ai pas toutes mes dents puis je vais en avoir encore de moins en moins. Mais je vais retourner m'en chercher quand que je vais avoir mon dentier, ma prothèse. Là. J'ai vraiment hâte de l'avoir en passant. Je devrais sûrement l'avoir d'ici cet été, là, en ce que je l'espère bien, ou c'est d'ici la fête des mères. Parce qu'elle est déjà prête et payée en plus. Fait que j'ai envie de vous montrer ce que je me suis acheté chez Costco. J'ai aussi, je vous ai pas parlé au retour parce que c'est tout le temps la même affaire. Vous allez sûrement être tanné de m'entendre dire des fake que et c'est ça, là, comme que je disais dans la voiture. J'ai donné à manger un peu à ma fille, puis je me suis tiré du lait parce que j'avais les seins un peu sensibles à ma tantôt quand je suis arrivée. Je me suis pas tiré. Je suis de retour sur mon iPad, sur l'iPad, parce que j'ai manqué de place sur mon sel. Vous savez, j'ai un petit sel. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Costco. Un poulet cuit. Une bouteille de vin. J'ai acheté du pain. Une boîte de biscuits pour des lunchs. De l'assaisonnement à légumes, mais ça va être l'assaisonnement pour les salades. Des fraises. Deux sacs de bananes, c'est 1,99$ et qu'on en profite dans ce temps-là. Un beau petit pyjama que je trouvais si mignon. J'ai acheté les fameuses chips Miss Vicky au ketchup sucré et épicé. Je pense que je vais goûter tout à l'instant. C'est Cass Loignon qui en parlait sur Instagram. Moi et mon chum, on aime beaucoup les chips au ketchup et lui aime ça quand c'est épicé. Ça se remet avec des gants. Ils sont bonnes, mais ils ne coûtent pas tant épicé. À moins que ça passe à manger. Mais ça ressemble à ça. Ouais, il y a un petit goût piquant arrière. Ils sont pas aussi piquants que des chips barbecue. Ils sont bons. C'est 6,99$ pour 550 grammes. Puis à l'épicerie, c'est environ 5,99$ pour un sac. Pour le reste, je vais y aller avec mon sel. Ça va être plus facile pour vous montrer. C'est du lait. D'un truc de fondu au cidre de pomme étant spécial à 6,97$. Du yogourt. Des œufs. Un brie. 6,99$. Des tranches de fromage suisse. Des tranches de. Des tranches. De la viande fumée. Du jambon forêt noir. Ça va être pour les sandwichs. J'ai ici du jus. Du jus d'orange. Du thé glacé. Deux genres de quiche pâté, jambon à l'érable et des trucs de soupe à l'oignon gratiné. Fait que je pense que c'est ça que je me souviens que je peux vous montrer. Ah, j'ai aussi de la cassonade. Ouais, j'ai acheté un méga sac de cassonade. Mais ça, j'avais d'autres choses. Je sais pas, j'ai pas oublié les choses dans l'auto. Puis là, je me prête à faire une salade pour manger avec le poulet.
Fait que je pense que je vais me faire une salade de poulet pour moi. Puis mon chéri, je vais faire des morceaux de poulet avec une salade. Fait que je pense que c'est ça que ça va être. Fait que je vous montre ça.